Salut à toutes, on se retrouve dehors par ce beau soleil, donc il y a un petit peu de bruit, mais vous avez l'habitude avec moi, sous un nouveau pseudo, donc Happy Family, parce que je ne me retrouvais plus dans Mandisbulle. Pour moi, c'était trop associé à la beauté, même si dans Mandisbulle, il n'y a pas spécialement de consonance beauté, mais je suis connue depuis. Connue, le mot est faible. Plus sérieusement, je suis connue depuis plusieurs années sous le pseudo Mandisbulle par rapport à la chaîne beauté. Et comme je ne me retrouve plus du tout dans la beauté, j'ai voulu changer de pseudo, tout simplement. Et avoir quelque chose qui soit plus. Qui nous ressemble un peu plus. Donc voilà, famille joyeuse, Happy Family. Le problème était trouvé. Donc voilà, je change mon nom petit à petit sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est une galère monstre. Mais bon, ça c'était une parenthèse, donc elle est clos. Alors je vous avais préparé une première vidéo que je n'ai jamais réussi à extraire de mon ordinateur qui commence à méchamment ramer. C'est pas parce qu'on est femme d'informaticien qu'on est forcément bien chaussée. Du coup, bah, je vais vous réexpliquer juste brièvement dans une petite intro l'avenir de la chaîne et puis on va enchaîner sur le vrai sujet qui vous intéresse réellement. Donc au niveau de la chaîne, comme je disais, nouveau nom, nouvelle identité visuelle, tout ce que vous voulez, ça reste la même bouille, la même fille bavarde, la même fille qui se trompe, qui fait des des bas, des voilà. Mais je vais avoir deux gros sujets, la famille. Voilà, donc orienté sur Oscar, sur nos sorties, sur des tests de produits pour le petit, sur des tests de produits pour les grands, voilà, sur tout ce qui touche la famille d'une manière générale. Je vais inclure dans cette partie famille certains sujets plus pro entre guillemets, puisque j'ai monté une asso de parentalité avec deux nénettes formidables que j'ai rencontrées il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça a matché direct. Enfin voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est vraiment des nénettes au top. Et du coup, bah, ce projet professionnel associatif va faire plein de choses sur Bordeaux. Et donc forcément, j'aurai l'occasion de vous en parler. Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment famille. Et le second sujet qui m'intéresse, genre énorme comme ça, vous le verrez, enfin vous l'avez vu sur Facebook et sur Instagram, c'est une orientation zéro déchet. Voilà, je reviens à mes sources puisque j'ai été élevée dans une famille qui produisait très peu de déchets quand j'étais petite. Et moi, la grande ville, la simplification des choses, la flemme. Voilà, je consomme énormément, je consommais énormément, je produisais énormément de déchets et j'essaie de le réduire pour laisser un monde plus propre à mon fils. Mais bon, ça, voilà, j'ai plein d'idées de vidéos là-dessus. Beaucoup de choses à vous dire. Voilà, j'ai envie de me simplifier la vie, tout simplement, et de profiter et de continuer d'être happy. Voilà. Le sujet qui nous intéresse un peu plus, j'ai décidé de renouveler ma chaîne, on va dire, sur le thème de la plus belle chose qui me soit arrivée en 2016, c'est-à-dire mon petit gros. On a fêté les 6 mois, déjà, j'ai pris une claque monstrueuse. En me disant, oh, il a déjà 6 mois. J'entends le hochet qui s'agite, le jeune homme s'est réveillé. Il a déjà 6 mois et du coup, c'est l'occasion de vous faire un bilan. Donc, pour rappel, il est né fin janvier, 3 kg 360 pour 51 cm. 6 mois plus tard, nous voilà à 70 cm et 8 kilos. Si on regarde les courbes, niveau poids, il est en plein milieu. Donc, il est tout beau et en termes de taille, il est un peu grand. Enfin, il est vraiment sur la courbe haute. Donc, je pense que ça va être un gaillard. Mais mon papa fait 1m85, moi je fais 1m80, 1m80, 1m70, ça suffira. Donc voilà, on est loin d'être petit. Donc du coup, voilà, c'est un bébé qui confirme qui va être grand. Il a déjà plein de cheveux, ça vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Si bien qu'on lui a déjà coupé 2 fois la tignasse. Voilà. Ça me fait sourire parce que sur un groupe de mamans auquel je participe, il y avait une maman, son bébé avait 1 an, elle lui avait toujours pas coupé les cheveux et moi le mien il a une telle touffe qu'il y a déjà eu 2 fois. Au niveau de lui à proprement parler, où est-ce qu'il en est? On a commencé la diversification depuis 1 mois à peu près. Donc il mange de la purée et des compotes, on attaque la viande, poisson et le gras d'ici 15 jours, 3 semaines. Suivant les aliments. Voilà, il est à fond sur le bibi, il est à 4 bibis par jour de 210 et il me prend quand même un bibi la nuit.
Voilà, donc en gros 5 bébés par jour. Il fait quasiment ses nuits, hein, parce que même si tu peux te servir quand même. En gros, il me fait du 20h, 6h. 6h, il a besoin de tétouiller. Donc, je vais peut-être lui mettre un peu plus de céréales dans le bibi. Et ensuite, il se réveille vers 8h pour le biberon suivant à 9h. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Je dors. J'ai vraiment le sentiment de dormir. Donc, ça, c'est cool. En termes d'activité, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plein de choses. Bon, il attrape les objets, bien sûr. Il se met sur le ventre. Il commence à répéter les syllabes. Abba, 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 abba. Quand il était plus petit, il mettait la bouche comme ça. Et son père faisait. Et maintenant, le petit, avec sa petite main, fait. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait. Voilà. J'en ai mis plein sur le téléphone. Il tire sur les abdos pour essayer de se relever, redresser. Il adore être debout. Il adore être sur le ventre. Il est cool avec tout le monde. Voilà, il pleure quand il a faim ou quand il a mal, en gros. Ou quand il a peur, éventuellement. Mais voilà, rien de bien. C'est pas un bébé qui chouine, qui pleure, machin. Même pour s'endormir, quand il cherche le sommeil, il pleure un petit peu. Mais bon, comme tout bébé, je pense. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fait tellement de choses que je sais plus. Il attrape les canards dans le bain. Et voilà, il joue dans le bain. Il adore les massages. Enfin, il est cool quoi. Il fait tellement de choses que je sais. Enfin, ah si! Dernière nouveauté. J'adore. Il tient son bibi. C'est trop mignon. Il a les petites poignées sur son bibi. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais sinon, bibi tout ça. Ou alors comme ça là. Il se le tient là comme ça. C'est trop mignon, c'est adorable. On n'a toujours pas de dents. Pourtant, ça travaille. Hein, donc, j'espère qu'il les aura bientôt parce que, quitte à souffrir, autant qu'il souffre pour quelque chose, ça me paraît légitime. Qu'est-ce qu'il nous fait d'autre? Il nous fait plein de choses. Il nous fait plein de choses. Enfin, voilà, c'est cool. Il est pas en retard, il est pas en avance, je pense non plus. Il fait les choses à son rythme et il les fait bien, donc c'est ce qui compte. Voilà pour ce qui le concerne lui. Pour ce qui me concerne moi, comme je disais en introduction, ces 6 mois sont passés tellement vite. Tellement vite. Tellement, tellement, tellement vite. C'est fou, c'est fou. J'ai repris le boulot depuis 2 mois maintenant. Au début, ça a été un peu dur. Mais bon, maintenant, ça va, je m'y suis faite. J'ai trouvé une super nounou, donc c'est cool. C'est vraiment très, très cool. Voilà, elle l'adore. Là, elle va pas le voir pendant un mois à cause de ses vacances et elle. La pauvre, on la sentait tout émue, c'était trop mignon. Donc bon, c'est cool. Voilà, je sais que je peux avoir confiance en elle. Il est gardé aussi par ses grands-parents, donc voilà, voilà, eux ils en profitent. Moi, je sais que tout se passe bien. Et puis je fais des économies, hein, soyons honnêtes. Une partie de mon congé mat a été un petit peu raplapla, raplapla, parce que je commençais à tourner en rond. Je commençais à me dire que je ne servais qu'à être une maman. Je commençais à sérieusement m'emmerder aussi. Et bah, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les deux minettes dont je vous parlais, donc ma Marion et ma Valou. Et je leur ai dit, hein, elles le savent, mais clairement, elles ont sauvé mon congé mat. Voilà, parce que quand j'avais des questions, je pouvais leur poser parce que bah, j'ai pas beaucoup de mamans à qui je peux poser les questions, puis j'ose pas forcément poser mes questions à Karine, par exemple. Même si c'est débile, hein, je sais qu'elle me répondrait. Mais voilà, je sais qu'elle est occupée, elle a le taf à temps plein, elle a la petite Kegla d'amour. Donc voilà, j'osais pas spécialement lui poser des questions. Puis dans les copines à proximité, on va dire, bah, je suis la première, hein, donc voilà, le problème était réglé. Et puis voilà, on a bougé, on a fait des cardio-poussettes notamment, on est parti se balader à droite, à gauche. Et mine de rien, c'est hyper important parce que j'étais à. Ça de la déprime postpartum, mais vraiment j'étais vraiment pas loin. Et elles sont arrivées là comme un cheveu sur la soupe et elles m'ont occupée, elles m'ont bougée. Voilà, si bien qu'on a décidé de monter une asso. Enfin, c'est cool quoi, c'est cool. Donc maintenant je vais beaucoup mieux, forcément, parce que j'ai des petites nénettes en or. Là elles sont parties en vacances et bah, c'est dur quand même de pas les voir. Et je me dis déjà, bah, allez vivement le prochain cardio poussette, là il y en a besoin. Donc bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Sinon,
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Me concernant toujours, au début j'avais perdu vachement de poids. Genre en 10 jours j'avais déjà perdu 15 kilos sur 20, j'avais tout perdu, j'ai arrêté mon allaitement, j'en ai repris. Voilà, mais bon c'est ma faute, je bouffe n'importe comment et voilà, j'ai l'impression d'avoir des joues de hamster sur cette vidéo, c'est une catastrophe. Donc du coup ce matin j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Vinciane chez Nature House et je lui ai dit quand est-ce qu'on se voit? Voilà, elle m'a dit demain, je dis non, c'est un peu tôt quand même, j'ai pas de dispo. Donc du coup voilà, mercredi je reprends le suivi Nature House. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Voilà, je sais comment bien manger, ça je le sais, vu le nombre de rééquilibrages alimentaires que j'ai fait. Mais si j'ai pas quelqu'un pour me taper sur le bout des doigts ou me menacer de me taper sur le bout des doigts à la fin de la semaine, ben, j'abandonne en 15 jours. Donc voilà. Voilà. J'ai une de mes collègues qui m'a parlé d'un programme sportif équivalent à TBC, mais plus orienté gros, entre guillemets. Voilà, puisque elle, sa sœur, pèse plus lourd que moi et le fait sans prendre de risques au niveau de ses genoux, au niveau de toutes ses articulations, de son dos et ainsi de suite. Parce que j'avais voulu commencer le TBC et quand j'ai vu le nombre de sauts, je me suis dit, je vais me niquer les genoux avant la fin du mois. Donc il était hors de question de faire n'importe quoi. Donc voilà, je vais essayer de trouver ce programme-là. Ça fait plusieurs mois aussi que je louche sur une montre sportive, la Polar. La M300 ou AM300. Enfin voilà, bon, elle coûte 100 balles. Ça fait plusieurs mois que je louche dessus parce que mon Fitbit, je sais pas où je l'ai mis. Et c'est quand même relativement limité. Je trouvais qu'il comptait pas super bien les pas. Donc voilà, je vais peut-être craquer pour ça. Je vais même certainement craquer pour ça. Voilà, moi j'ai besoin d'une motivation et le fait de voir les chiffres monter. Et j'ai ma petite collègue justement à qui j'en ai parlé, qui en cherchait une. J'en ai parlé, elle l'a achetée, elle en est hyper contente. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, je sais pas quoi vous raconter d'autre. Je vous ferai des bilans. Régulier, vous me connaissez, hein. Concernant Oscar, je ferai pas une vidéo par mois parce que je suis pas sûre que ce soit judicieux, mais je ferai certainement des vlogs, je pense tous les 15 jours, ça doit être suffisant pour faire un point sur le régime, pour faire un point sur comment va ma petite personne, parce qu'il faut bien être égocentrique de temps en temps, et sur tous les projets en cours d'une manière générale. Et ça sera l'occasion de vous parler des dernières nouveautés Oscar et de l'évolution poids, quoi. Voilà, je vous laisse, je vous fais tout plein de bisous. J'aurai certainement l'occasion de vous parler orientation zéro déchet la prochaine fois, puisque j'ai un défi pour ce week-end. C'est trier et ranger ma chambre, enfin notre chambre, qui est dans un bordel incommensurable. Voilà, parce que j'ai abandonné, parce que j'en ai trop dans tous les sens. Donc en gros, je commencerai ma vidéo par faire un petit peu la vidéo de la honte, voir la maison des horreurs. Puisque clairement, je vais ouvrir les placards, les tiroirs et je vais vous montrer. Sauf les parties de Romain, voilà, il a certaines choses qu'il ne veut pas qu'on montre, donc on ne les montrera pas. Mais bon, ça représente deux tiroirs. Ça, et puis après, bah, je vous reprendrai, puis je vous dirai qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce que je refais pas. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de me donner un défi, une pièce, une semaine. C'est clair. Bon, je vous fais tout plein de bisous, on se retrouve très très vite et prenez soin de vous d'ici là. Salut, salut!